devrions-nous nous asseoir assis? De quoi s'agit-il? Il y aurait beaucoup à dire. Comme en toute chose. L'individu vit du vide de vacuité. Article 31 du Code colossal définit finissant de façon péremptoire qu'il ne peut y avoir libidineux litige, inoculé nuisible pour les institutions d'une haute envergure coexistant, tactique et tous à coopérer. Coude à coude, à l'union, les millions de millions de petits cancres là, sachant lire et écrire, et manger, forniquer et dormir. L'individu vide, de naissance à sa mort, subordonné, saborné, suborné, pour l'avènement de l'événement de la finale victoire. Bien entendu. Je vous dise, s'il vous plaît, il y a comme un fond de brise. C'est la saison. Un fond de brise qui serait, comment dire, un rien légèrement le district Nord est légitimement fier d'être ventilé par les usines KG2. Preuve éclatante de la réussite de tous par haute compétence de l'ingénieur en chef. Obtenu la palme du mérite de l'émulation pour le district Nord. Sur toute sa superficie, ventilé, irréprochable. De quoi s'agit-il donc? Si cela devait tirer à conséquence, nous sommes entre nous. Enfin, toutefois, puisque je vous le dis, pour une parole de trop de nos jours, on décède. Ou pour une de moins, pour un rien, on décède de nos jours. C'est qu'il faut raisonner avec la raison d'État. Tout résonne si bizarrement de nos jours. Auriez-vous peur? Peur? Moi, peur? Je n'ai pas peur. Nous sommes sortis des âges obscurs de la peur. Ah, la bonne heure. J'étais donc venu prendre l'air par haute compétence de l'ingénieur en chef irréprochable. Enfin, à vrai dire, non pas réellement une connaissance, comme par exemple... Un ami. Un ami, à vrai dire, un peu plus qu'un ami, mais enfin... Quelqu'un, enfin, de comment? Mais comme nous, enfin... Enfin, finalement, d'assez proche. À vrai dire, non pas, pas réellement proche, comme par exemple un... Un parent. Un parent. Un parent à vous. Enfin. Enfin... Un père. Une mère, une sœur, un frère. Enfin, à vrai dire, non pas réellement consanguin, comme par exemple... Bien entendu. Qui était employé aux usines de ventilation. Quelqu'un, enfin.
de relations, non pas d'assez proches, finalement un parent à vous enfin. Non pas réellement consanguin comme un frère, par exemple. Par exemple, ne serait-il plus employé aux usines de ventilation? On l'a fusillé! C'est la saison! On ne s'était pas quitté depuis notre enfance. Il était bon, doux, généreux. D'autres fois, ils sont venus le matin au jour, au petit jour, au dernier petit jour. Le petit jour, n'est-ce pas? Rien de plus dangereux comme les petits jours de nos jours. On a su par la suite qu'il est mort à midi. L'heure, c'est l'heure. Tout ce sang, c'est ignoble! Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Suivez-moi. Mais c'est une erreur, je l'ai bien fait, je suis en règle. On ne peut rien me reprocher. Je peux vous prouver, demandez-moi, je vous prouverai légalement. J'ai un domicile, je suis marié, juridiquement. J'ai un emploi, je n'ai pas d'opinion, jamais eu d'opinion. À mon concierge, à mes voisins, les commerçants, vous renseignez, ils me connaissent, jamais eu d'opinion, ma femme non plus, mes deux enfants, c'est une erreur. Je ne lis jamais, pas un journal. Une vie de famille, je ne vois personne, jamais, jamais. Une partie d'âme, légalement. Je suis pour, toute ma famille, depuis le début, nous avons toujours été pour, toujours, toujours pour, légalement. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Asseyez-vous. Merci, monsieur l'officier principal. Merci. Une seconde fois.
sur sa déposition. Je me rends compte. Je sais bien que cela a l'air compliqué, bien compliqué, monsieur l'officier principal. Pourtant, tout est clair, très clair. Il suffira d'ailleurs de quelques mots, si vous consentez à m'écouter, pour dissiper tout malentendu. Je me suis probablement mal exprimé depuis le début. Il fait si chaud, n'est-ce pas? Je n'ai rien pris pour m'arrêter, je n'avais pas encore mangé. Nous allions nous mettre à table avec ma femme quand cette malheureuse erreur regrettable s'est produite. Si vous voulez, j'étais allé prendre l'air avant le dîner. Je fais toujours une petite promenade pour me mettre en appétit. C'est devenu une manie. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte naturellement tout ça, monsieur l'officier principal, à côté de la question. Mais naturellement, les choses se tiennent entre elles. Et il est si difficile de démêler l'erreur. L'erreur, l'erreur. Voilà où je veux en venir. L'erreur. Oh, comme je serais désolé, monsieur l'officier principal, de vous faire perdre votre temps précieux pour une malheureuse erreur. Il est probable que vous devez avoir, comme on dit, d'autres chats à fouetter. Oh, j'imagine bien que cela ne doit pas être rose tous les jours dans l'exercice de vos hautes fonctions, monsieur l'officier principal. Veillez à l'ordre le district si étendu, si en vue, d'une façon comme de l'autre, avec surtout cette énorme concentration de population. Avoir l'œil, comme on dit, à tout, et mettre au pas tous ces sales profiteurs que nous connaissons. Reconnais avoir eu des relations avec les profiteurs. Pardon, monsieur l'officier principal, ce n'était pas le sens de ma phrase dans mon esprit, ni l'intention que j'avais de chercher, avec votre aide bienveillante, les raisons qui avaient pu, à un certain moment, motiver cette fatale erreur, regrettable à l'origine. De mon intention de vous expliquer comment j'étais allé prendre l'air du district de votre haute autorité, monsieur l'officier principal. Alors, j'ai dit, il me semble, il se peut que les terres m'échappent. Je m'en remets à haute compétence, monsieur l'officier principal. Rien à ajouter. Il fait si chaud, n'est-ce pas? L'instruction est close. Un verre d'eau. Un grand verre d'eau placé. Je n'ai pas l'habitude de parler si longtemps, ni eu le temps de prendre des notes concernant l'erreur. L'erreur est au dossier. Merci, monsieur l'officier principal. Merci, entre gens de bonne foi. Ma personne n'est pas en cause. Normal, monsieur l'officier principal, certainement. Mais oui, je comprends. Où irions-nous alors, tous les abus qui en découleraient certainement? Dans les limites de mon devoir assermenté, faire respecter, appliquer, exécuter les lois, décrets, règlements, ukases, articles, édits, ordonnances, promulgations, prononcer, juger, statuer, animé par un souci de justice équitable. Équitable, le souci, monsieur l'officier principal, qui fait la grandeur de votre tâche par excellence. Passe avant toute autre considération des biens et des personnes, l'intérêt général. Normal, monsieur l'officier principal. Rien à ajouter. Dévoué au bien commun. Venons-en au fait. Les charges relevées contre vous à ce jour sont de la plus extrême gravité. Écoutez, je demande à être confronté avec mes dénonciateurs. Vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Refusée. Les dossiers établis après enquête et portés à notre connaissance concorde sur tous les points. Vous êtes autorisé à solliciter une contre-enquête. Je sollicite une contre-enquête. La commission statuera. Je remercie la commission. Les divers témoins entendus par nos services ont été formels. Vous êtes prié de répondre aux questions qui vont vous être posées, ceci dans votre intérêt. Reconnaissez-vous
avoir été employé aux usines de ventilation du district Nord avec la qualification d'ingénieur adjoint. Exact. Donc, acte. Pouvez-vous nous dire brièvement quel poste vous occupiez aux usines KG2? J'étais affecté au département de la condensation. Certaines pièces versées au dossier font état de plusieurs fautes professionnelles graves au cours des deux derniers trimestres dans le fonctionnement des services dont vous aviez la surveillance. Pouvez-vous nous fournir des éclaircissements? Mais je proteste! Il ne peut être tenu compte de votre protestation que dans la mesure express où elle serait étayée par des justifications ou des preuves. Nous vous écoutons. Aucune faute professionnelle n'a jamais été retenue contre moi. Vous êtes en contradiction avec le dossier. Je demande à être mis en présence de mes supérieurs hiérarchiques. La commission statuera. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai été victime de malveillance. Veuillez préciser. C'est une question de personne. Il est de notre devoir de vous mettre en garde contre la gravité d'une accusation qui ne constituerait qu'une manœuvre défensive. Nous vous écoutons. Je ne sais plus où j'en suis. Vous êtes autorisé à solliciter une suspension d'audience. Je sollicite une suspension. Refusé. Dans l'une de vos précédentes réponses, vous avez habilement jeté la suspicion sur une personne que vous n'avez pas nommée. Mais je me suis borné à dire que dans mon travail, j'étais entouré de malveillance. Qui cherchez-vous à protéger? Je demande à ce qu'on fasse comparaître les délateurs. Vous ne voulez pas répondre à une question? Réponse répondue, il faut répondre, répondre, répondre. Je ne répondrai plus. Donc acte. Je demande une suspension. Vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Accordez. Je demande une suspension. Refusez. Je demande la parole. Accordez. Je demande la présence de mon avocat. L'avocat s'est récusé. Après examen des minutes de l'instruction et parmi plusieurs autres chefs d'accusation, nous retenons contre vous, outre ce qui déjà vous a été signifié, la charge se rapportant aux propos subversifs tenus par vous publiquement le soir même de votre arrestation et dont nous possédons la sténographie. Niez-vous avoir tenu ces propos? On veut ma perte. Niez-vous être sorti de chez vous le 31 au soir vers 19h45? Mais je l'ai moi-même déclaré à l'instruction. Vous avez également déclaré que vous aviez l'habitude de sortir chaque soir et de faire une promenade pour, je cite, vous ouvrir l'appétit, ou, je cite, vous mettre en appétit. Exact? Exact. Je vous entends mal. Exact. Niez-vous avoir rencontré lors de votre promenade du 31 au soir, jour de votre arrestation, un particulier inscrit au codex populaire sous le matricule Méga 2. C'est possible. Est-ce vous qui lui avez adressé la parole? C'est moi qui lui ai adressé la parole. De façon détournée et allusive, vous l'avez ensuite moralement contraint à écouter vos thèses subversives en ce qui concerne la fraîcheur de la ventilation. Répondez. Tout est vrai, scrupuleusement l'expression de la vraie vérité vraie. Vous avez fait mention d'un frère à vous, anciennement employé aux usines de ventilation, et qui fut traduit devant la commission supérieure, jugé, condamné, exécuté sur rapport de son supérieur immédiat, bien qu'usant de tournure dialectique, en portant un jugement sur la qualité de l'aération diffusée ce soir-là dans le district Nord.
il est probant que vous visiez indirectement la personne et la haute compétence de l'ingénieur, officier principal, irréprochable, en chef. Vous êtes autorisé à solliciter une contre-enquête. Je ne sollicite pas. Ce qui équivaut à un aveu et accrédite le bien fondé de l'accusation. Il sera tenu compte de votre bonne volonté. Je remercie la commission. Rien à ajouter. Peine de mort à l'unanimité. Coupable à l'unanimité. Toujours. Toujours respectueux de haute compétence, monsieur l'officier principal. Un passé sans tâche. Témoigne en faveur, sans gloire, anonyme, obscur, comme je l'ai toujours été, distingué en rien ni manifesté d'ambitions personnelles abusives, simplement fier d'avoir accompli mon quotidien devoir au rang qui m'était humblement dévolu, fier d'avoir collaboré dans la faible mesure faible de mes capacités faibles à l'élaboration d'œuvres communes. Jamais d'orgueil personnel n'y attirait sur moi l'attention, historiquement conscient de n'être rien de plus que l'individu vidu, vide de viduité, défini, fignolé, par nos hauts compétents sociologues, historiens, techniciens, doctrinaires, orateurs, publicistes, graphologues, écrivains, et tous ceux encore, nous les associons tous. Ils sont les guides phares et les bergers oracles, vivants posthumes, que nous commémorons en nos reconnaissantes mémoires, monsieur l'officier principal. Il doit certainement y avoir un moyen d'expliquer, entre gens de bonne foi, la regrettable erreur. C'est l'heure. Principal
Nous leur sommes tous redevables. Oh, centuple. Notre dette, comment acquitter jamais. Nous leur devons, entre autres, notamment, après de dures épreuves si longtemps étiolées, l'épanouissement coopératif, l'élimination de l'obscurantisme des esprits, toute égalité. Enchanté. Enchanté, ravi. Dites donc, Camille, l'hygiène, la vaccination obligatoire, l'insémination artificielle, le moteur à explosion, savonnette parfumée, le secret des particules, des particules de secret, les cours ménagers. Voulez-vous que je vous dise, s'il vous plaît, notre dette à jamais redevable. J'ai jamais dit, le zéro en Titanic, la roue libre, les deux roues, les quatre roues, les six roues, les huit. Et demain, peut-être. Demain, qui sait, tout va si vite. Nous mutons, j'allais dire, l'épopée des progrès accomplis dans 15 ans. Au moins que ça. En 30 ans. Je disais, 50 ans, ces progrès accomplis, l'homme, ses progrès. Nos parents, nos grands-pères. Nos grands-pères. Voulez-vous que je vous dise, s'il vous plaît, quelquefois. Quelquefois. J'imagine. Moi aussi. J'imagine. S'ils revenaient. Leur cœur, notre grand-père revenu. Demain. Ah, quand on y songe. Le vertige. Demain. C'est l'avenir, demain. Je voudrais être là. Ah, ça oui. On paierait cher pour être là. La galaxie. L'Empire. L'Olympe. L'abside. La Félie. L'apogée, le nadir, Pythagore, Ptolémée, Copernic, Galilée. Ordre, arrangement, univers, et parure ornement, depuis que le monde. Oui, mais tout ce monde visible n'est finalement qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables. Nous n'en formons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Je n'ai pas compris. Et qui peut se flatter de toujours comprendre? Ce qui n'est pas visible n'existe pas. Pas haute compétence de la philosophie en chef. Comment envisagez-vous la chose? Mais rien de plus simple. Deux points distincts. Captivants. Petit A. Petit A. La création du monde. Petit B. Petit B. La fin du monde, c'est tout. J'ai compris. J'ai essayé d'être aussi clair que possible. En somme, c'est le monde tout. Courbé-tu à courbettes, disant tout court le monde sur ses petites pattes courtes, dessous la courte pointe, dans. Un épouvantable cauchemar. Avec quoi joue-t-on? Il joue avec nos nerfs. Où? Là-bas. Que joue-t-on? Songez aux générations futures, l'image que nous laisserons de notre haute civili-vicissitude. Il y a tout de même quelques scènes amusantes. Bave. Satirique. Bave. J'ai ri. Du rire à la décadence,
il n'y a qu'un pas. Enfin, quand je dis que j'ai ri, mauvais, m'auriez-vous entendu rire? C'est un fait. Est-ce qu'un prétendu reflet du vide de la vie vivante peut nous apprendre quelque chose, comme vous le disiez? Permettez, je n'ai jamais dit... Permettez. M'auriez-vous entendu rire? Je n'en jurerais pas. Mauvais. Avez-vous vu ce qu'on joue là-bas? Où? Là-bas? Ah non. On est tenu d'y assister par ordre de la commission. Ah mais j'y vais ce soir. Demain, s'en fout en matinée. La haute académie, ô compétente, a été formelle dans ses conclusions. Ce spectacle, sous un apparent reflet du vide de la vie vivotante, met en évidence l'héroïque esprit de lutte qui est héroïquement exalté. Et les ennemis du poulpe, par basse manœuvre, ont voulu jeter sur l'œuvre représentée le discrédit, en qualifiant d'abstrait ce qui n'est que la plus pure, intransigeante image que nous laisserons de notre haute civilicitude. Il y a d'ailleurs des scènes d'une fine satire irrésistible. Le rire, l'indice d'un secteur en pleine évolution. C'est précisément ce qu'a souligné la haute académie. Voulez-vous que je vous dise? S'il vous plaît. J'irai avec toute ma famille. Ah, mais il faut y aller avec toutes les familles. Avec toutes ces familles. L'aîné va sur ses 12 ans. On ne voit pas passer le temps. Le temps passe à une rapidité. C'est fou. C'est ce que je dis. Il faut les armer pour la vie. Pour la vie armée. Choisir une fois que le pli est prêt. Choisir un débouché. Pléthore libérable. L'encombrement des professions. C'est l'âge ingrat où les cerveaux auront leur place. On sait ce que l'avenir leur réserve. Où les cerveaux auront leur place pour une situation d'avenir. Eh bien, avec un bon bagage, on passe partout. Solidement bagagé. On a besoin d'experts. Expérimentés. Le règne de la maturité. Liquidé. Étant et travaillé. Jacques, archaïque. Les chercheurs sont recherchés. Pionniers, furteurs, fourgonniers, sondeurs, érudits, perquisiteurs, encyclopédiques, laborantins spéculatifs. L'aîné va sur ses 12 ans précoce. Ils sont d'une grande précocité comparativement. À mettre les bouchées doubles. Dans la multiplication des matières démultipliées. Spécialisés, chacun dans sa branche. Les spécialistes spécifiques ont toutes les portes ouvertes. Les accords et accris de l'offre et de la demande. On leur fait des ponts d'or. Ponts d'or. Les techniciens omniscients. Les omniscients. De première classe. Hors classe. Toutes catégories. Les exemples abondent. Vous en connaissez comme moi. Des carrières à 100 000. À 200 000. 1000. 1000. Pas moi. Pas 1000, moi. À 1000. 200 000. Et des 100. Et des 100 et des 1000. L'aîné n'a pas une minute à perdre. Ou alors, la branche négociale. Le commercantile. Affaires. Monopole. Stat. OPA. 10%. L'embargo. Commission. Maristourne. Crac. Devenez un homme moderne, augmentez votre valeur, multipliez vos dons, devenez un homme moderne, achetez-le.
dépouillées, fonctionnelles, les arêtes à angle droit, qui permettent une juste répartition des masses intermédiaires sur plusieurs plans simultanés. C'est ornemental, utilitaire, fruit fiévreux de longues patientes recherches de nos savants mathématismaques, triés sur le volet d'élite. Nous les saluons haut et court. Bien là, chapeau. Dites-moi, c'est résistant au feu? Au feu, à l'eau, à l'air, au temps, autant à l'air qu'au feu, à l'eau. Au trop-plein, au vide, aux névroses, aux canicules, aux typhons, aux symbioses, aux inflations des flagratoires, aux remords, aux conflits, aux complexes, à la détresse, à la vie, à la mort, c'est inusable. Voulez-vous que je vous dise? S'il vous plaît. Ah, on en vendra plusieurs millions. C'est déjà plusieurs millions, dès à présent, été vendus. Que chaque famille ait familialement le sien. C'est... La soirée... Translucide, indivise, indolore. Une belle soirée. L'alignement des coupoles. Coupoles. Toute la ville d'un seul tenant. Pas une brèche. Cette impression hermétique de sécurité étanche. Cette grande tour d'acier là-bas, voyez-vous, moi qui vous parle, je l'ai vu rifter, c'était en 8 ou en 9. En 8, vous aviez quel âge? Oh, ça ne nous rajeunit pas. En 8, l'année... C'est l'année du premier riftage automaxillodrique. L'année de la mort de... Depuis, nous avons d'autres méthodes. Ou en neuf, l'année de la mort... C'est drôle, le riftage automaxillodrique nous rappelle toujours les années 8. En 8 ou en 9, l'année de la mort... La mémoire a de ces bizarres rires, et vous remarquez, quelquefois j'ai du mal à me souvenir de l'année que mon père, mon propre père, mon pauvre père est mort. C'est tellement vrai. On ne vit que par la mémoire. Décidément, la soirée est climatique. C'est fantastique cette perspective. Si on ferme un peu les yeux, tout est plein, rectiligne. On resterait des heures. Voilà, c'est ce que je dis souvent, des heures. On dira ce qu'on voudra. Un panorama, c'est un panorama. Quand on songe au tonnage que ça représente... Vous voulez dire le tonnage global? Global, vraiment. Alors là, c'est ce que je dis souvent, alors là. Et qu'on vienne pas nous rebattre les oreilles avec leur vieille histoire d'archistructure, des vestiges d'esthétique. Chaque époque a eu ses modes. Oui, mais enfin, écoutez, de la muscler rosée, hein? Ce qui devait arriver est arrivé. Comment en sommes-nous arrivés là?
Il y a du vin dans la cuisine fraîche. Il y a des bourdonnements ou de l'eau goutte à goutte sur une pierre. C'est mes pieds qui font marcher et la terre brûle. La façade blanche claque dans mes yeux. Il y a des choses qui dorment, respirent, qui ont confiance. Il y a les trois marches de pierre usées d'un escalier et un homme assis sur ces marches. Et qu'est-ce qu'il fait, un homme assis sur ces marches ? Il ne fait rien qu'être assis. Il ne fait rien, un homme assis. Il écoute. Ah ! Il n'écoute même pas. Oh ! On voit très loin devant soi. Parce que tout est nivelé. Parce que tout vous entoure. Parce que tout est touffu. Parce que les choses ont cette confiance. Mais on voit très loin devant soi. Et il regarde, assis, lui, l'homme. On ne sait pas. Il dort peut-être aussi. Il y a un chemin. Chemin ? Que voulez-vous dire avec votre chemin, enfin ? Un chemin qui va loin, qui ne mène nulle part. Chemin, chemin, allons donc, chemin, ça c'est fort. Un coin de terre, et des choses qui grésillent, des choses qui ont confiance, des choses qui vivent. Et son chemin, naturellement. Toute votre argumentation spécieuse ne repose que sur ce chemin, je suis au regret de vous le dire. Mais à moi, on ne la fait pas. Chemin, chemin. Mais je ne parle même pas de l'homme de pierre assis, qui dort, ne dort pas en plein midi, ni de toutes ces saletés de petites choses grouillantes, éparpillées par-ci, par-là, qui groseillisent, grumelaques, graffitis, simples graffitis. Mais sur qui ? À qui voulez-vous croire ces sornettes rétrogrades ? À des esprits séniles, superstitieux, caduques, toutes ces immondes saloperies de petites choses grouvelantes, qui salement gargoulent sur votre chemin, sans doute. C'est malsain, et voilà tout. Pourtant, je ne l'admets pas. Il ne vous semble pas que vous vous oubliez et c'est répréhensible. Chemin, chemin. Vous voyez bien, c'est ridicule. Alors, c'est un étourdissement. De vous à moi, cela pourrait vous mener très très loin. Ce salon des usines de ventilation a été fusillé pour moins que ça. C'est un problème collectif. Vous avez raison de me parler civiquement. Ceux qui vous ont inspiré. Pire, vampire spéculateur, l'ortie, le fiel, le grain empoisonné. Nous opposons la maladie gratuite. Les garderies d'enfants. Houille blanche. La vieillesse agraire. Les fêtes folkloriques. Le bloutage à 80%. Les cours du soir. Les excursions. Le détail au prix de gros. L'avenir a son mot à dire. L'avenir parlera. Cette histoire de chemin, ça me trotte dans la tête. Délicat. Et si j'ai bien compris, la façade était-elle blanche de façade à éclater plein les yeux ? De ce blanc éblouissant. Si j'ai bien compris, il faudrait une telle lumière. Une lumière telle. Et partout, quelqu'un assis sur le seuil d'une maison qui s'endonole. D'où l'amant. La gratuite, maladie d'enfant folklorique, gardien d'excursion au cours du soir sur la rue Blanche à Grès. Tout est calme et ruisselant de lumière, tel que l'homme a confiance, et qu'il peut dolamment s'ensommeiller.
chanson d'enfant folklorique au cours du soir de la vieillesse agrée. Le chemin voit si loin devant lui qu'on dirait qu'il ne va nulle part. Mais c'est peut-être parce que tu es riche, tu l'as enrichissime en sorcelance, éclaboussant le regard foisonné. Les excursions folkloriques, gardez en excursion folklorique. Gardez en excursion folklorique. Alors, c'est comme une fureur de vie qui exploserait partout à la fois. Parfaitement compris. Les bourdonnements, peut-être. Bourdonner, bourrelant. Alors. Bourrifarons, ébouriffés. Alors. Bourgeonnassés, caracolesques. Alors. La tambourine a des sapins à l'oreille. Alors, ce serait. C'est. Je vois. L'eau. Dites-moi encore, l'eau. L'eau. Vous m'embarrassez dogmatiquement. Comprenez, il est indispensable maintenant que je comprenne l'eau. L'eau, comprenez, c'est un point. Techniquement, c'est une chose. D'accord, mais l'eau. Si on s'en tient, mettons, pour la commodité statistique, au seul district nord, par haute compétence de l'ingénieur hydrologique en chef. Pas un centi des 6 millilitres de perdu jamais, selon la recondensation de l'évaporation des gouticules folivolage. 12 000 km de tuyauterie thermostatique. Un gigantesque investissement. Nous sommes de ce point de vue le point de mire oh jalousé de nos voisins médusés. J'espère que je ne vous apprends rien. Simplement l'eau, goutte à goutte, qui ricoche en cochant la pierre. Là, l'eau s'écoule. Libre. Libre, en quelque sorte. Perdu aussi. Perdu, en quelque sorte aussi. Une question. Toute cette eau, goutte à goutte, égouttée, qui s'éperd et s'écoule, où coule-t-elle? Arthur. Si coulante et courante et perdue, où coule-t-elle? Ruisselot scellé, rigole, rivière, ruisseau, rapide, le fleuve, écoutez, le fleuve! Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas! Alors ce serait... Je n'y suis pour rien, bien entendu. Par haute compétence, l'ingénieur hydrologique en chef, l'eau, est ce qu'elle a toujours été et sera toujours. Un point, c'est tout. Prenez la responsabilité de vos olibriades interprétatives. Oh, ce n'est pas pour me faire peur, notez bien. Selon vous, c'était quand cette eau, cet homme, ces choses libres? Ou quand, combien, pourquoi, comment? C'était quand? Jadis. Je vois. Alors, rien de nu, rien de froid, rien d'impassible, rien d'uniforme, rien d'aseptisé. Et ils sont comment ceux-là? Je ne dis pas celui assis sur la pierre, les autres. Des genres. Ils sont au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Comment? Au milieu de comme nous? Mastiqué, engrené d'embrayage, électro-cimenté, potentiel calorique, électrolyse tentaculaire, ne faites pas semblant de ne pas comprendre, ils sont au milieu de quoi? Ce serait à reprendre depuis le début. Reprenons! Je pourrais tout aussi bien commencer par... Non, par... Ou encore, et encore. Par quel bout commencer? Vous n'avez pas l'air de vous douter tellement... C'est ça... Comment? Comme... ceci. Vous allez expliquer?
L'arbre. 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 Pour s'en tenir à l'essentiel. Bien entendu. Des millions. Au moins des millions. Personne ne les compte. On les voit partout, tout le temps, rassemblés. Jusque dans les rues. Là, ici, à côté, loin, devant, géants, centenaires, bitris. Personne ne sait l'âge au juste. Et puis, de quoi l'âge? Ça pousse, ça monte, ça grandit, ça dépasse, couvre, couronne, se déploie, domine et reste là. Centenaire, bitris. On ne sait pas l'âge au juste. Et puis quoi? Ce n'est pas ça qu'on cherche à savoir non plus. S'ils sortent à peine de terre, ou de la hauteur, comme vous diriez, de ma taille. Et par millions. Par millions, c'est ça. Rassemblés, un par-ci, un par-là. Jusque dans les rues. Ne nous emballons pas, s'il vous plaît. Jusque dans les rues et jusque devant les maisons. L'homme assis sur la pierre peut-on voir? L'homme assis, d'où il est assis, peut en voir des centaines. Vous dites... Arbre. Arbre. Montrez-moi encore une fois. Trois fois comme vous. Comme vous et moi. 10 fois, 30 fois, 100 fois. On ne compare pas. Venu de la terre mère. Racine. Essence de sève qui arrose, coule, irrigue. Une vie venue de la terre même. Et est-ce qu'on comprend comment? Comment? On comprend. Mais pas pourquoi. Arbre. Les pieds, le sommet, le tronc, comme ici, le corps. Le tronc, 10 fois, 30 fois, 100 fois, comme vous et moi. Et ça, les branches. Les branches. Les branches qui poussent, montent, retombent, lourdes, légères, fines, noueuses, dures, flexibles, longues, mouvantes. Les branches. Vous allez trop vite. Pelurées de bas en haut, dentelées, ciselées, vertes. Vous allez trop vite, vous allez trop vite. Couvertes, chapelines, abondance à foison. De pelurées de bas en haut, une verte. Arbre, tronc, branche, feuille, verte, vous dites la feuille. Je dis vert, je dis rouge, je dis gris, je dis or. Et tout ce qui se tient coloré, coloré entre rouge, vert, gris, or, se mêle et se mélange de roux, d'or et de gris. Je dis vert parce que on dit vert pour les feuilles. Et le reste? De bois, le reste. Arbre de bois. Pour s'en tenir à l'essentiel. Voyez-vous, il faudrait me dire, dans ces millions d'arbres de bois, dans ces branches, dans ces feuilles, dans toute cette vie, sans savoir pourquoi, il faudrait me dire si quelque chose, est-ce que quelque chose qui ne serait ni l'arbre, ni la branche, ni la feuille, est-ce que quelque chose, oui, l'oiseau. L'oiseau. Ça ne me dit rien, l'oiseau. Comment voulez-vous que je me fasse une idée, l'oiseau? Montrez-moi que je comprenne. Pas commode. Il faudrait des mots,
des mots. Les mots n'iraient pas non plus. Je voudrais que vous compreniez, n'est-ce pas? L'oiseau, c'est... Au fond, tenez. L'oiseau, c'est ça. On ne m'a rien trouvé à votre expertise. Comme moi.
Je refusais qu'on me mette en observation. Tout comme moi. Et c'est pour ça que le Panari s'est déclaré dans les 24 heures. C'est comme moi, on m'a mis en observation. Et le Panari s'est déclaré quand? Dans les 24 heures, je vois. Oui. C'est comme moi. 24 heures après, j'étais au lit avec 40. Il y a une vingtaine d'années, on était condamnés. On peut dire que les grandes épidémies ont été jugulées. On a fait depuis des pas de géant. Sans parler des futures perspectives. Et tout ce qui se prépare encore. Ce qui fait que je n'ai pas lu d'encyclique. Ben, si vous voulez, le seul point obscur, c'était l'oiseau. Forcément, l'oiseau. Ces salauds quand même pour aller inventer cette histoire, l'oiseau. Sans l'oiseau, c'était banal. Ils ont toutes les audaces, ces salauds quand même. Vers la fin, ils ont cru s'en tirer en sifflant. L'oiseau. Et puis après ça, siffler. C'est ce qui a réveillé tout de suite les soupçons. Automatiquement. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un code. Automatiquement. Alors, pan, pan, pan. Ils n'ont eu que ce qui le méritait. Avec le code, on a remonté la filière jusqu'à la tête de l'ingénieur en chef de la conjuration. Il a fait des aveux dans la nuit. Il faudra que je lise l'encyclique. Bon, je vous quitte. Il est tard. J'allais partir. Il est tard. Ce ne sont que des bruits qui courent. On ne va pas se laisser impressionner par des menaces. Ils ont tout essayé. La pollution des idées, tout. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Une guerre mettrait le point final. Nous aurons été pacifistes jusqu'à la guerre. Il ne faut pas trop nous en demander. Tous nos ancêtres ont fait la guerre. Et tous seront guerriers. La guerre de mille. Mille autres guerres. La longue guerre. La guerre d'avant. Tous guerriers. La guerrier. Fusils bouillés, des poitrines, tripatouillés, empaillonnés, désépouillés, tous nos ancêtres ont fait la guerre, tronçonnés, pensionnés, leurs moignons, nos manchots, les castrats, tous nos ancêtres ont fait la guerre, pour un monde, celui-ci, le meilleur, meilleur que le meilleur des mondes. Ah! Les morts meilleurs de nos ancêtres de l'autre monde. Alors, s'il le fallait. Je suis optimiste, car toutes les vies du monde, je suis arrivé ici sur le fragile. Car si fragile, sans défense, étrangement je suis fragile. Pourquoi sont-elles arrivées là? Tout ce car qui a peur, tout ce qui est détruit, déchiré, séparé, broyé, piétiné, tout ce qui est emporté, submergé sans qu'on y pense. Car comment cela arrive-t-il? Je suis optimiste, car l'évolution a son tournant, que nous tournons autour de son regard vers l'épanouissement des possibilités insoupçonnées jusqu'à hier. Hier encore, nous ignorions le béaba, des signes précurseurs du secret des connaissances qui nous ont été révélés. Nous édifierons une baby loan, force motrice de haute tension, Watt, Volt, Galvano, Faraday, Kirchhoff, réluctance entre fer, monophase, diphasé, multipolaire. Ion, je suis optimiste, car à l'honneur, nous avons tout à attendre. Nous attendons. Attendons, attendons. Tendu. L'atome. Le mot est lâché. Répétez après moi. Gallium, hélium, uranium, yttrium. Ion, ion, ion. Samarium, sélénium, silicium, iridium, vanadium. Ion, ion, ion. Rhodium, radium, rubidium, ruthénium.
Iom, Iom, Iom. Vous voyez bien. Iom, Iom, Iom. Très bien, parfait, encore une fois. Iom, Iom, Iom. Très très bien. Iom, Iom, Iom. Vous êtes donc, hop. Vous êtes donc, hop. 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 Optimiste. Car. Optimiste. Car. Optimiste. Car. Optimiste. Car. Repos. Avez-vous suivi nos récentes expériences? Parfaitement suivi, comme il aurait fallu. Pas exactement suivi. Révolutionnaire, aujourd'hui? Révolutionnaire, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous détenons le principe. En un mot comme en mille, nous fabriquons la pensée qui est une affaire de laboratoire. Nous balayons les mythes séculaires. Dieu aux archives. Nous confectionnons nos cerveaux. Est-ce que par hasard, ça vous amuserait d'en voir fonctionner un? Venez, vous allez comprendre. Je serai bref. Le courant de mort de nos expériences est personnifié par la présence ici de notre concitoyen Méliadeux qui s'est volontairement prêté à l'entraînement intensif exigé par la minutie de nos travaux. Sans entrer dans le détail, il est bon de savoir que notre concitoyen Méliadeux a préalablement subi l'ablation du cerveau. La greffe du cerveau autonome a donc pu être pratiquée dans une cavité pouvant à juste titre passer pour vierge. J'ajouterai que le cerveau autonome a été conçu pour émettre 24 heures sur 24. En conséquence, notre concitoyen peut donc être considéré comme un prototype de son espèce. Je vous en prie. Il faut raisonner avec la raison d'État. Nous serons sûrs de vous quand vous serez sûrs de vous. 3, 4. Il faut faire appliquer les lois, décrets, règlements, articles, ordonnances, promulgations. 5, 6. Il faut songer aux générations futures. L'image que nous laisserons de notre haute vicissitude. 7, 8. Nous sommes dans un certain visage de la neuf, dix. Les spécialistes spécifiques ont toutes les portes ouvertes. A, B, C, D. Il faut acheter. Vous ne le savez pas, mais vous en avez besoin. Les cerveaux autonomes émettent de 24 heures sur 24. Yeah.
chose.